Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la reproduction des canaris en captivité ou en volière. Donc, à partir du mois de février, donc la saison des amours va débuter pour les canaris. Donc, si vous avez un couple, vous pourrez donc commencer à mettre de la charpie ou du foin ou de la paille dans la cage pour qu'ils puissent commencer à fabriquer leur nid. Il est également possible de leur acheter un nid artificiel à fixer directement dans leur cage. Ou soit ils vont le faire eux-mêmes sur une branche ou à terre. Voilà. La femelle, une fois fécondée par le mâle, fera deux pontes. La deuxième débutant 40 jours environ après la première. Donc il faudra donc à partir du mois de mars maintenir une température d'environ 20 degrés dans la pièce ainsi qu'un bon taux d'humidité dans l'air en plaçant un bac d'eau sur le radiateur par exemple ou en achetant une petite machine pour qu'il va vaporiser de l'humidité. Donc, une fois la ponte commencée, la femelle pondra un œuf par jour, souvent le matin, même très tôt le matin jusqu'à atteindre 3 à 5 œufs. Elle va couvrir ses œufs 13 jours. Elle va couvrir 13 jours et au bout de ces 13 jours, ils vont éclore. Donc, pendant la session d'élevage, il faudra leur donner de la pâtée à la femelle et pour le mâle aussi, pour qu'elle puisse retrouver de l'énergie qu'elle a perdue durant la ponte. Une fois les œufs éclos, les petits seront nourris le plus souvent par le père qui leur donnera la béquille, donc c'est-à-dire que le père va aller avec son bec dans le bec des petits. Enfin, les petits vont ouvrir leur bec et le papa va mettre son bec dedans et va leur régurgiter des graines déjà digérées, plutôt comme ça. Et donc, pendant ce temps, la femelle s'occupera de nettoyer le nid. Donc les oisillons commenceront à quitter le nid environ vers 20 jours. Et seront complètement sevrés à l'âge de 30 jours. Donc il faudra sortir les petits de la cage avant le début de la deuxième ponte, sans quoi ils seront rejetés et parfois tués. Donc c'est vraiment très important de les retirer, de les laisser ensemble et après les sexer, donc en fonction de leur chant, etc., leur couleur, leur plumage. Et après, vraiment les retirer des parents, comme ça les parents peuvent faire leur deuxième tournée pour avoir encore des jeunes. Donc c'est tout pour cette petite vidéo donc, sur la reproduction des canaris. Donc je pense que comme vidéo suivante, je vais faire une petite vidéo sur un peu l'alimentation, dans quelle sorte de cage il faut les maintenir et tout ça. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et ciao !